Comme vous l'avez constaté, donc on a essayé de faire un petit tour sur l'avenue Général de Gaulle à partir du rond-point de la police centrale jusqu'au niveau du rond-point du pont Federn pour un petit peu apprécier les travaux relatifs donc à l'éclairage public. Vous l'avez constaté, sur l'avenue Général de Gaulle, nous avons installé des candélabres de très bonne qualité qui maintenant permettent à tous Saint-Louisiens de pouvoir se promener donc, le long de cette avenue sans être inquiété, tout en étant en sécurité. Nous l'avons constaté aussi, les commerçants établis donc, le long de cette avenue peuvent exercer leur métier jusqu'à l'heure qu'ils souhaitent. Et ça, c'est de l'effort, en tout cas, fourni par la commune de Saint-Louis, qui a mis en place donc, ces ouvrages-là, qui a investi un montant à peu près de 80 millions de francs CFA pour cet éclairage. Donc, vous avez vu, la semaine dernière, j'ai rencontré les AEC, les présidents des AEC, les présidents des zones, hein, qui font partie donc, des acteurs importants au niveau donc, de l'animation de la vie à l'échelle communale. Je continuerai à rencontrer tous les acteurs pour que nous puissions travailler dans une dynamique, en tout cas interactive, d'entraide et de mutualisation de nos efforts, pour que tout un chacun puisse mettre de son sien pour préserver non seulement la qualité de vie, mais faire en sorte que cette qualité de vie soit améliorée.